Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons parler d'une approche toute désignée pour fluidifier les relations entre collaborateurs et permettre aux organisations et aux industriels de relever les défis de demain. Alors, ils sont trois pour en parler avec nous aujourd'hui. Cyril Rodriguez, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes Portfolio Development Exécutif chez Siemens. C'est ça. David Elmer, bonjour. Bonjour. Vous êtes Portfolio Development Exécutif pour le MBSE chez Siemens. Exactement. Et Étienne Julio, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de OBO. Tout à fait. Alors, face à un time to market plus agressif que jamais et des contraintes réglementaires de plus en plus fortes, les industriels doivent aller toujours plus vite tout en gagnant en efficacité. Alors, pour réussir ce tour de force, ils vont devoir se mettre en rupture avec leur façon de travailler, d'une part en mettant du lien entre les modèles et les exigences, mais également en fluidifiant le travail entre les équipes, ce qui implique deux aspects, l'aspect technologique et l'aspect humain avec la conduite du changement. Réussir à faire travailler ensemble des profils différents est donc une des clés. Et pour y parvenir, l'ingénierie des systèmes à base de modèles, l'approche MBSE, représente aujourd'hui une réponse efficace. Nous verrons donc, lors de ce webinaire avec nos invités, comment la mettre en place et quels sont les outils qui existent aujourd'hui pour en assurer son pilotage. Donc, ce webinaire va se découper en quatre parties. Dans un premier temps, nous allons faire un point rapide sur le contexte et voir ensuite quels sont les enjeux qui en émanent, qui se dégagent. Dans un troisième temps, nous expliquerons ce qu'est l'approche MBSE. Nous verrons pourquoi elle représente donc l'élément de réponse pertinent selon nos invités. Et nous terminerons par un rapide coup d'œil sur les enjeux de demain avant d'avoir passé en revue les solutions technologiques qui existent. Voilà, si vous souhaitez interagir et nous poser des questions, n'hésitez pas, nous le ferons tout au long de ce webinaire. Cyril, on va commencer avec vous. On va planter un petit peu le décor. Le contexte alors donc ? Alors le contexte, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup d'industriels, au départ, se sont construits à partir des normes et des standards. Donc ils ont bâti toute leur méthodologie, leur organisation sur un cadre de contraintes très fortes. Ensuite, ils ont décliné des méthodes d'ingénierie système qui leur a permis de décliner la complexité en éléments simples en passant par des activités. Ces activités-là, on les a déléguées à des équipes projets qui ont travaillé en mode silo et qui, au final, dans une organisation, se transforment au fur et à mesure en mode guichet au sein de l'entreprise qui déresponsabilise la vision produit et qui, finalement, cloisonne les gens. Donc, en fait, ces anciennes façons de travailler, aujourd'hui, demandent d'être réinventées parce qu'aujourd'hui, on a besoin de travailler différemment. Et donc, l'ingénierie collaborative, c'est une façon, justement, de bâtir une nouvelle transition dans la façon de travailler qui a pour but de favoriser l'intelligence collective, mettre du lien entre les gens et faire en sorte que tout le monde travaille sur un référentiel unique, partagé, transparent et accessible à tous, quel que soit le rôle dans la direction technique. – En sorte que chacun arrête de travailler dans son coin. – Co-construire, le co-engineering, c'est ce en quel on croit en tout cas aujourd'hui. – Alors les conséquences sur le marché du coup de cette façon de travailler que vous évoquez en silo ? Alors, pendant des années, on a réussi à faire des produits magnifiques. On a réussi à faire des avions, des fusées, des voitures. Ce n'est pas là l'enjeu. On a réussi à le faire avec des cycles de conception qui sont longs et des budgets qui n'étaient pas forcément maîtrisés. Aujourd'hui, on a le marché qui bouge, qui évolue à vitesse grand V. Des choses qu'on ne pensait pas possibles hier arrivent. Par exemple, la réutilisation de lanceurs spatiaux avec un Elon Musk qui vient bouleverser avec des façons de travailler en mode essai-erreur, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas forcément. Donc aujourd'hui, on travaille en mode conception, fabrication, déploiement. Et avec ce chamboulement de marché, il va falloir travailler différemment.
et sans compter qu'en interne dans l'entreprise, les nouvelles générations d'ingénieurs arrivent avec de nouvelles façons de travailler, de nouveaux besoins. Le sablier n'a plus sa place dans un logiciel, on a besoin de collaborer ensemble et en plus leur façon d'apprendre est complètement différente de ce que nous, on a pu vivre. Donc en fait, aujourd'hui, le marché bouge, donc les causes externes bougent. En intérieur, on a de nouveaux besoins aussi avec les équipes pour faire travailler les gens ensemble. Donc on a besoin de se réinventer tout simplement. Merci Cyril. David, pour compléter peut-être ce que vient de dire Cyril. Oui, donc Cyril a dit des choses qui sont très importantes et c'est justement cette complexité du produit qui augmente d'une façon exponentielle. Donc du coup, comment se traduit aujourd'hui cette complexité sur les équipes de développement? Donc dans la réalité, ce qui se passe, c'est que chaque département, chaque équipe, chaque individu, ingénieur, il est en train d'utiliser les meilleurs outils existants sur le marché, donc outils informatiques, logiciels, etc., afin d'avoir une performance excellente dans son domaine. Mm-hmm. Mais la réalité est que le fait que tout le monde utilise des outils entre guillemets best in class fait que l'hétérogénéité d'outils au sein d'une même organisation devient énorme. Ce qui fait que la collaboration entre les différents départements devient très compliqué. Ça, c'est la cause directe des silos. Exactement, ça, c'est la cause directe des silos, tout à fait. Étienne Julio, vous, justement, alors on dit le marché qui évolue, il faut les silos voilà, construits autour des réglementations. Vous, votre point de vue, peut-être nous rappeler ce que fait OBO avant de répondre. Alors OBO, on est une société française d'édition de logiciels de modélisation, donc des outils graphiques. Et on s'adresse à différents types d'ingénierie, dont le MBSE dont on va parler aujourd'hui. D'accord. Justement, si on fait le parallèle avec les logiciels, et ce que vous avez dit tout à l'heure, on se retrouve avec des entreprises qui gèrent jusqu'à 60 logiciels pour faire l'ensemble du cycle de vie de l'entreprise et gérer toutes les phases de conception. Répartis sur plusieurs équipes. Oui, bien sûr. Alors imaginez, vous, Stéphane, vous êtes dans un ingénieur comme ça, aéronautique par exemple, et vous êtes en charge d'un câble. Et on vous dit, tiens, il faut changer la taille du câble. Et vous faites ça dans votre logiciel, à vous de dessin de câble. Eh bien, en faisant ça, vous allez avoir un impact sur les gens qui vont faire de la 3D, qui vont devoir changer l'ouverture, la taille d'un trou pour que le câble puisse passer. Ça va changer aussi les gens qui font de l'électronique, parce que la carte électronique va devoir gérer une meilleure qualité de câble, du côté informatique également. C'est toute une chaîne, en fait. C'est toute une chaîne. Une modification, c'est un impact sur tout le monde. Voilà, c'est ça. Et comment on gère cet impact-là aujourd'hui? Eh bien, on va faire des réunions pour dire, voilà, j'ai besoin de telle modification, il faudrait que vous alliez modifier ailleurs. On va faire des specs papier qu'on va renvoyer à des sous-traitants, aux donneurs d'ordre, à d'autres équipes. C'est long, ça prend des mois et des mois. L'objectif de ce qu'on essaie de faire avec le MBSE et avec ces nouvelles démarches, c'est de fluidifier ça pour aller jusqu'à des changements qui peuvent se faire presque au quotidien. Et c'est en ça qu'on a vraiment une collaboration qui peut devenir fluide, régulière, entre différents métiers. D'accord. Donc, on démarre un petit peu justement sur la suite. Merci, Étienne. Quels enjeux vont émaner pour les organisations de ce constat qu'on vient de faire, Cyril ? Mais l'enjeu, il est assez simple. Il faut pivoter. Alors, tout à l'heure, vous avez prononcé le mot rupture. Hein. Donc, il y a quand même cette rupture qui fait que, de toute façon, à l'extérieur, sur le marché, il faut se réinventer. Il faut être en capacité de sortir des produits de plus en plus vite. Mais en intérieur, dans un cadre de contraintes où il faut quand même satisfaire les normes, on peut faire tout et n'importe quoi. Non, on a vu que c'était possible, voilà. Effectivement, vous citiez Elon Musk, c'est une autre façon de travailler. Mais il y a donc l'enjeu pour nos industriels, c'est quoi? En fait, c'est d'être en capacité d'innover, d'être en capacité d'intégrer les nouvelles méthodologies, le Lean Startup, d'être le design thinking. Il y a de nouvelles façons de concevoir pour aller plus vite et tester surtout son produit sur le marché beaucoup plus vite. Tester sa conception en amont pour vérifier que notre produit… Tout en étant conforme. Et voilà, donc tout en étant conforme. Donc l'enjeu, il est là. Se réinventer, c'est ça. Ça veut dire qu'il va falloir trouver des solutions, des leviers pour faire mieux et plus vite. C'est se réinventer pas en tout bien, tout honneur, mais en toute conformité. C'est ça, en toute conformité. Concrètement, donc, du coup, Étienne, ça rejoint un peu ce que vous aviez commencé à nous expliquer. Ça se traduit ? C'est-à-dire que la façon de se réinventer, historiquement, on faisait des systèmes de manière très successive, du plus général au plus détaillé. Et on a des nouvelles approches maintenant plus transverses, qui sont des approches fonctionnelles. Le but de ça, c'est de déciloter.
on en a parlé en introduction, mais là, on va vraiment le concrétiser, c'est-à-dire de faire en sorte que des gens soient responsables d'une fonction, pilotage automatique, réutilisation, dont on a parlé tout à l'heure, et qui ont une responsabilité transverse sur tous les corps de métier, électronique, mécanique et autres. S'imaginer que l'ensemble de ces corps de métier puissent travailler autour d'un langage commun et d'un seul outil, c'est complètement illusoire. Il y a des gens qui ont essayé ça, ils sont allés dans le mur. Ce qu'il faut réussir à faire, c'est d'avoir un langage commun qui ne va pas dans tous les niveaux de détail, qui ne se concentre uniquement sur les fonctionnalités de chacun des morceaux de mon système et l'architecture. Donc globalement, une vue d'ensemble de telle partie doit communiquer avec telle autre partie pour réaliser telle fonctionnalité. Et en restant à ce niveau de communication, on a quelque chose de simple, de maîtrisable dans le temps, c'est-à-dire que dans 10 ans, on aura toujours ce schéma général qui ne sera pas perdu dans du détail, et on arrive à maîtriser la complexité de systèmes qui sont beaucoup trop complexes, sinon si on était perdu dans tous les petits détails. Ça revient un peu à dire finalement qu'il faut mettre un langage sur les choses qui sont destinées à être en commun dans la façon de travailler, mais ça ne concerne pas tout. Il y a des spécificités dans mon métier de fabricant de câbles, on l'a dit tout à l'heure, que ça ne concerne pas du tout, ça ne concernera personne. Exactement. C'est vraiment la vue d'ensemble, c'est le fabricant de câbles. En quoi il a besoin de parler avec des développeurs? Eh bien, c'est vraiment cette vue d'ensemble de se dire, tu as besoin de parler avec tel autre via tel lien, via un lien, deux liens, trois liens, et pour telle raison, pour porter de la vidéo, pour porter du son, pour porter des choses. Donc ça, c'est ce qu'historiquement, on avait dans des documents textuels et que maintenant, on essaie de structurer. Et moi, je voudrais rajouter quelque chose à ce que Étienne dit, que c'est extrêmement important. Aujourd'hui, un des enjeux, ou l'enjeu, c'est cette frustration qu'il y a aujourd'hui dans les grosses sociétés du point de vue que nos ingénieurs ou les ingénieurs qui sont en train de développer des produits, ils ne savent pas quelle est leur place dans le développement du produit complet. Donc du coup, aujourd'hui, nous avons des exemples dans l'industrie aéronautique, automobile. Donc du coup, nous avons des ingénieurs powertrain ou chaîne de transmission dans l'automobile qui sont en train de développer, mettons, un moteur électrique, mais qui ne savent absolument pas comment ce moteur électrique va être intégré dans la voiture au complet. Mmh. Donc du coup, il est là l'enjeu, en fait. Nous devons mettre tous ces gens à un niveau d'information de telle façon qu'ils sachent à quoi leur activité sert. Sans faire de mauvais jeu de mots, bon, est-ce qu'on peut dire qu'ils avancent aux instruments? Absolument. Non, mais c'est tout à fait ça. Donc aujourd'hui, c'est comme si vous devez faire le petit déjeuner et vous êtes en charge de mettre de la confiture sur un pain. C'est qui va la manger? Est-ce qu'ils avancent aux instruments? Par exemple, dans l'automobile, pendant des décennies, on a eu des voitures qui se sont améliorées petit à petit. On a amélioré le moteur thermique, on a amélioré le poste de pilotage, mais toujours par petite évolution. Là, ils ont deux Big Bang qui arrivent en même temps, la voiture électrique et la voiture autonome. Donc tout ce qu'ils ont accumulé comme savoir-faire depuis un bout de temps, ça vole un peu en éclats. Et si on n'a pas cette vue dont David parle, qui est une vue d'ensemble de l'impact de n'importe quel changement, c'est impossible. C'est ça. Et d'un point de vue méthode et spécification, ce qui est intéressant sur l'automobile, par exemple, c'est qu'effectivement, Elon Musk, il est parti de suite avec quoi comme spécification? Il n'est pas parti avec « il faut faire une voiture », il est parti avec le sujet de la mobilité. Et sur le sujet de la mobilité, il a dit « tiens, on va faire des produits et des services ». Et donc, il a abordé complètement différemment le concept. Et du coup, il a cassé aussi ses façons de travailler. C'est-à-dire, il n'est pas parti d'une spec, il n'est pas parti d'une spécification technique avec des exigences. Il ne savait pas forcément que ce qu'allait être le produit demain. Par contre, il a réussi, en avançant en mode essai-erreur et en avançant différemment, à trouver le bon alignement de marché, le bon timing pour arriver à faire justement les voitures avant tout le monde. Et du coup, indirectement, il impose aussi sa vision de l'électrique. C'est ça qui est fou. C'est que quelque part, mais comme c'est le premier, il impose sa vision aussi aux autres et qui sont après quelque part obligés de suivre, mais qui sont à la traîne et qui doivent rattraper celui qui est parti devant. Donc c'est compliqué, Stéphane. Ah, bon, en tout cas, bon, c'est pour ça qu'on est là. On ne va pas vous donner les secrets, la recette d'Elon Musk, on ne la connaît pas. Peut-être non, que ce n'est pas forcément le bon modèle à suivre. Peut-être pas forcément le bon modèle à suivre. Par contre, il est parti devant, c'est sûr. Bon, on va du coup voir comment est-ce qu'on peut en tout cas donner une réponse à tout ça et tenter de relever ces défis. Aujourd'hui, là, le sujet, c'est cette approche MBSE. Vous allez nous dire un peu plus. Cyril, peut-être déjà une définition de ce que ça veut dire. On va dire MBSE, c'est pour Model Based System Engineering. En gros, c'est l'ingénierie système qui est basée sur les modèles.
Donc en fait, ce qu'il faut retenir de ça, c'est juste que c'est une façon d'adresser un système complexe de façon graphique et visuelle. Là où avant on avait du texte qui s'enchaînait des lignes, on est aujourd'hui sur quelque chose de graphique, de visuel, par contre quand même codifié. Donc ce n'est pas du drawing, comme on peut avoir dans certains outils. Une première notion de drawing, c'est on peut faire du dessin, capturer le dessin en coin de table. Ça va plus loin, c'est quand même quelque chose qui est structuré et qui sert effectivement de langage commun. Oui, David. Je dirais qu'il y a plus que ça, parce que bon, il y a plusieurs organisations comme INCOSE qui portent la parole du MBSE et qui ont une définition très établie sur le MBSE. INCOSE, juste dire ce que c'est. C'est l'International Council of Systems Engineering, donc du coup c'est une organisation à niveau mondial qui a plusieurs chapitres ou plusieurs groupes de travail dans tous les pays au monde. Et donc du coup, eux, ils portent la parole sur le MBSE, mais ils vont un peu plus loin, donc du point de vue que le MBSE, effectivement, c'est de schématiser ou de modéliser les différents sous-systèmes ou les différents composants ou les différentes logiques d'un produit, mais en même temps, il y a une notion de relier cette logique à des exigences du produit. Donc du coup, il y a pas que le côté modélisation, il y a le côté intégration de tous les documents, tous les datas, tout ce qui vient alimenter ces blocs fonctionnels d'architecture fonctionnelle. Ça d'un côté. De notre côté, il y a toute la partie du fait que nous voulons structurer le développement de ces modèles. Il y a des modèles au niveau fonctionnel, il y a des modèles au niveau architectural, il y a des niveaux au modèle physique, donc du coup qui n'ont pas le même but et qui servent notamment à justement pouvoir donner aux ingénieurs toutes ces informations qui leur serviront pour pouvoir adapter ou concevoir leurs produits. Quand vous dites aux ingénieurs, c'est tous les ingénieurs, quel que soit le bout de la chaîne, quel que soit justement l'endroit où ils se trouvent. C'est une très bonne question, Stéphane, parce que l'idée du MBSE aujourd'hui naît sur la conception du produit, mais les limites vont beaucoup au-delà de la conception du produit. Aujourd'hui, nous voulons utiliser le MBSE non seulement au moment de la conception, mais au moment de la production et au moment de la maintenance du produit, donc de la vie du produit en soi. Alors, je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit David juste avant. On vous écoute. Ah. C'est une table ronde, on a le droit. Ah. Tu as dit tout à l'heure qu'il y avait un modèle fonctionnel, un modèle architecture, un modèle physique. Moi, dans ma vision du MBSE, c'est justement d'avoir un modèle qui fusionne les trois. Le but étant de fournir aux gens des schémas qui redisent voici l'architecture, imaginons presque comme un bâtiment, avec les différents grands morceaux, comment les gros morceaux sont reliés ensemble. Et à l'intérieur, on précise les fonctions attendues de chacun de ces morceaux. Imaginez, vous êtes un ingénieur, vous arrivez sur un grand projet de refonte avion électrique, je ne sais pas, et on vous dit, vas-y, fabrique un nouveau train d'atterrissage. Par quoi vous commencez? Comment vous savez avec qui, comment c'est organisé tout ça? Donc là, avec le MBSE, vous avez un schéma tout simple qui vous dit, telle grande partie là, elle est responsable de telle fonction, telle fonction, telle fonction. Le mot fonction, il est extrêmement important et on ne le retrouve pas dans les outils d'électronique, les outils de 3D et autres. On ne le retrouve pas aussi prégnant parce qu'il est mélangé dans l'architecture. Et vous êtes capable avec ça de pouvoir d'une part revenir au besoin initial, c'est-à-dire que votre train d'atterrissage que vous allez devoir fabriquer, Stéphane. On aurait fait les choses aujourd'hui. Bon courage. Vous allez d'abord le concevoir en mode boîte noire, disant bon, c'est quoi les fonctions attendues qu'on me demande, mon client ou mon utilisateur, il me demande, et avec qui je vais devoir m'interfacer. Donc déjà, chose intéressante, vous êtes bien d'accord sur le périmètre de ce que vous allez devoir faire. Deuxième chose intéressante, vous avez tout de suite, très tôt, identifié les points d'intégration avec le reste du monde. Donc, ce qui est généralement un des gros points de perte de productivité, où on se rend compte qu'on a des problèmes d'intégration, le câble qui n'est pas bon, le protocole qui n'est pas bon, à la fin du projet. Et là, ça coûte cher. Donc là, vous faites comme ça. Deuxième étape, vous designez votre train d'atterrissage en mode boîte blanche. C'est-à-dire que vous allez travailler avec vos équipes pour dire comment, à l'intérieur, je vais fabriquer ça. Qu'est-ce que je vais faire comme choix de réutiliser quelque chose qui est sur le marché, créer un nouveau composant moi-même, informatique ou électronique ou mécanique. Et vous allez faire vos choix internes. Mais les deux, le besoin et la solution, vont rester vivre dans le temps pendant 10, 20, 30 ans.
Donc c'est aussi ça qui vous permet, ce genre d'approche, ce genre de méthode, qui vous permet dans le temps de pouvoir gérer des évolutions ultérieures, de pouvoir faire, on va revenir sur Elon Musk, mais faire en sorte de pouvoir reconfigurer en un système existant, une voiture, une navette, se dire, tiens, j'enlève ça, je rajoute telle fonction, sans tout perturber. Sans tout refaire, sans trop recommencer. Surtout, il y a une portabilité, j'imagine, finalement, dans tout ça. C'est-à-dire qu'on peut changer de fournisseur, de prestataire, de sous-traitant, travailler avec une autre équipe, changer de partenariat. Parce que, si, dites-moi si j'ai bien compris, le langage, donc finalement, le langage commun, ce n'est pas des mots, c'est un dessin codifié. Et puisqu'on finit toujours comme ça, c'est-à-dire on explique, on comprend rien, je vais vous faire un dessin. Donc là, on a un système de modélisation codifié qui fait que tout le monde peut interagir à tout moment. Hein. C'est ça, c'est on design, on fabrique, il se passe quelque chose à la fabrication, hop, je peux intervenir directement sur mon modèle et ça remonte au design. C'est l'idée, en tout cas. Ce qui est important, c'est que ce langage, quand même, il doit avoir une certaine structure. Donc, du coup, effectivement, comme Étienne disait, donc, on parle au début du niveau fonctionnel, et le terme fonction a un sens beaucoup plus large qu'avant. Et après, il y a les interactions entre les différentes fonctions. Donc, du coup, cette structure, elle commence par du fonctionnel. Comme tu disais, Étienne, donc, du coup, après, tu rentres dans une boîte blanche qui va venir décrypter la structure, peut-être une structure physique ou une structure logique du système. Mais donc, du coup, il y a cette notion de langage, mais il y a aussi cette notion de structure de langage. Donc, du coup, pardon. Qui est vraiment très, très précis. Donc, par rapport au fait de changer de fournisseur, contrairement à un contrat papier où on est en français, en anglais, il y a du flou, il y a de l'ambiguïté, là, on est sur des données extrêmement structurées. Donc, d'une part, on est précis, mais comme c'est structuré, on peut aussi faire de la validation. Et s'assurer que lorsqu'on dit que tel système comme ça, il doit s'exécuter en 2 secondes, à l'intérieur, l'ajout, toutes les étapes intermédiaires, si on les additionne, jamais ça fera plus que 2 secondes. Sinon, ça veut dire que votre cahier des charges, votre spécification, elle est fausse. Et ça, c'est le genre de choses qu'on voit au quotidien dans des cahiers des charges qui font qu'à très tard, on se rend compte de l'erreur qui venait du début. Et c'est là, Stéphane, qu'on commence à toucher un sujet sensible, qui est l'aspect contractuel là-dedans. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit bien les modèles, donc ça adresse la complexité. Donc en fait, on a une grosse pelote de laine. Hein. Et donc quand on voit vouloir, tout à l'heure vous avez pris le scénario de le donner à notre fournisseur, notre partenaire, c'est là que c'est compliqué. Donc en fait, quand on travaille tout seul, effectivement, dans son entreprise et qu'on fait tout de end à end, donc ça, ça se fait plus, mais si on le faisait comme ça, il n'y aurait pas de souci. Par contre, dès qu'on va rentrer dans ce mode de partenaire, de fournisseur, de sous-traitant, ben en fait, ce qui fait foi beaucoup, c'est le cahier des charges. Et le cahier des charges, c'est quoi? C'est un écrit. Donc, c'est des exigences, c'est un écrit, souvent qui se décline en spécifications techniques. Et selon les langues, sujet à interprétation. Et selon les langues, voilà. Et donc, la spécification technique devient très, très vite, en fait, un élément de pilotage de son projet et du produit. Voilà. Par contre, la souplesse, elle n'est pas forcément là. Et la vraie question, c'est quelle est la place d'un modèle sur le plan contractuel. Aujourd'hui, je n'ai pas forcément les réponses à ça. Oui. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai une conviction forte, c'est que les cahiers des charges, les spécifications techniques, les écrits, ils sont là, c'est bien, il est faux. Les modèles, ça enrichit les écrits et l'un et l'autre se nourrit. Et moi, ma façon de voir, c'est en faisant ça, à la fois du graphique, à la fois du texte, en fait, la somme des deux, on multiplie les canaux de communication. Et quand on a des profils d'ingénieurs qui sont plutôt textuels, qui sont plutôt dans la rédaction, ils vont pouvoir lire les exigences et savoir le décliner, le raffiner. Et quand on a des gens qui sont graphiques, ils vont très, très vite aller sur le graphique. Voilà. En gros, c'est assurer que l'information passe bien. L'important, elle est là. Mmh. Il est là. Quand on fait du co-engineering, l'important, c'est que les gens se connaissent bien. Et une autre conviction… Et se comprennent. Et quelque chose qui a été observé, que tout le monde peut observer, c'est quand on met des ingénieurs multiculturels, multidisciplines dans une salle avec un sujet et une feuille blanche, très très vite, ils vont sur le tableau et ils dessinent pour se comprendre. Parce qu'en fait, on a besoin de savoir de quoi on parle, de quel système, où il commence, où il finit, se découper les composants. Tiens, toi, tu prends ça, moi, je prends ça. Et c'est vrai que le tableau, les dessins, les boîtes, et dire OK, moi, je pose. C'est différent et c'est un soutien, c'est un support. Et je suis convaincu qu'effectivement, il faut les deux. Les deux se nourrissent l'un de l'autre. Bon, donc on est d'accord que moi, mon train d'atterrissage, il faut d'abord que je vous fasse un dessin. J'ai une petite anecdote là-dessus. J'ai 2 enfants qui sont au collège. Eh bien, en France, au collège, l'ingénierie système est au programme.
Vous imaginez ça? On voit, alors pour tous ceux qui ont des enfants, vous pouvez regarder dans leur cahier, en cours de technologie, on voit les fonctions d'usage, fonctions système, objets techniques. Je ne sais pas si vous avez pu revoir ça avec vos enfants. Et c'est des choses qui sont. En moyenne section, ça serait un peu inquiétant. Ça commence en sixième. En sixième, ils voient ça, ils le revoient en troisième. Ils font déjà, à cet âge-là, ils font du code Scratch, Python, etc. Ça avance vite. Et du coup, ils arrivent sur le marché de l'emploi et du travail avec de nouvelles façons de fonctionner, des nouveaux réflexes. Des nouvelles façons d'apprendre et ils font des voitures autonomes. Ils font la révolution à l'intérieur des boîtes. Non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est parce que c'est une façon d'apprendre l'ingénierie qui est juste naturelle. Parce qu'on est sur des boîtes, effectivement, prenons le système globalement, un vélo, c'est leur exemple, et décomposons-le en le guidon, la roue, à quoi elle sert, etc. Et c'est quelque chose qui est finalement naturel pour un humain, quoi, d'abord à décomposer un problème en petits. Plus petit problème pour mieux gérer la complexité de l'ensemble. Bah, de toute façon, on sait que la pensée découle du langage. Donc, effectivement, on repense peut-être ou on revoit la façon de penser la conception d'ingénierie. David, peut-être nous donner la vision de Siemens sur les MBSE. On a parlé d'Incosi. Mmh. Sur ce point, comment vous positionnez? Donc, Siemens, aujourd'hui, nous structurons une approche MBSE sur différents piliers. Donc, du coup, on a un premier pilier qui est ce qu'on appelle l'Integrated Program Planning and Execution. Donc, c'est la planification du projet. Qui vient gérer toutes les tâches du projet, toutes les tâches que les différents ingénieurs doivent exécuter. Dans un deuxième temps, on a une partie qui s'appelle Product Definition, ou définition du produit, qui, elle, vient mettre la base du Systems Engineering, donc de l'ingénierie du système, par la création de ces modèles, de ces schémas, qui viendront être connectés plus tard à tout ce qui sont les exigences du produit, donc les requirements des produits. Nous avons un troisième bloc connecté, bien sûr, qui se dérive de cette définition de produit, qui est toute la partie de l'ingénierie connectée. Donc, du coup, là où on vient connecter les différentes disciplines de l'ingénierie, comme la mécanique, l'électronique, le développement logiciel. Et puis après, nous avons une quatrième partie qui encore vient être dérivée de l'ingénierie de système, qui est la partie vérification et validation, donc ou ce qu'on appelle performance engineering. Une partie extrêmement importante du point de vue que c'est à ce stade-là du développement du produit où nous allons faire de la simulation numérique. Donc du coup, on va utiliser tous ces outils que nous connaissons déjà bien, comme la CFD, les éléments finis, la simulation système, afin de faire un jumeau digital du produit de façon à calculer la performance en amont, avant de faire du test, avant de faire vraiment de construire des prototypes qui vont être extrêmement onéreux. Et donc, du coup, on pourra vérifier les exigences. Et il y a une cinquième partie dans ce positionnement de Siemens dans le MBSE qui est la partie relative à la cybersécurité. Oui. Donc, nous avons parlé d'échanger des données, de travailler en collaboration entre les différents départements, ingénieurs, même avec des équipementiers qui puissent être extérieurs à la société. Mais qu'est-ce qu'il en est de toutes ces informations qui sont partagées ici et là-bas? Donc, du coup, il y a un côté cybersécurité qui prend toute son importance dans l'MBSE. Et ainsi, c'est très lié aussi à tout ce qui est la maintenance pendant la vie du produit. Donc, du coup, une fois la conception finie. Oui, parce que ça, c'est finalement une conséquence, voire même une incidence directe du désilotage, c'est-à-dire qu'on connaît que les données circulent de partout, donc elles sont interceptables. Et absolument, et nous avons des gros challenges par rapport à ça. Il y a des sociétés qui, aujourd'hui, dans l'aérospatiale, dans l'aviation, qui se positionnent comme intégrateurs de produits, intégrateurs de composants. Donc, ils sous-traitent à des équipementiers le train d'atterrissage dont vous parlez avant. Donc, du coup, on peut imaginer un grand fabricant d'avions qui sous-traite son train d'atterrissage, qui doit partager un certain nombre d'informations, soi-disant confidentielles, soi-disant non, confidentielles avec son équipementier, mais qui ne veut pas quand même partager tout le corps de métier de développement de l'avion. Donc, du coup, c'est ce côté cybersécurité. Voilà, il y a le côté, effectivement, cybersécurité, gestion des accès, partage de l'information. Effectivement, qui est très, 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 très complexe.
Est-ce qu'il y a une... Alors, d'abord, avant de vous poser cette question, Cyril, une question qui nous est posée par un internaute sur le MBSE. Quelle est la différence entre votre approche et SysML, si je lis bien? Je suis sûr qu'Étienne va aimer cette question. Alors, SysML, c'est un langage graphique d'ingénierie système. L'approche... et donc, ça fait partie de la galaxie MBSE. Pendant des années, ça a été utilisé, ça l'est toujours utilisé aujourd'hui. Le problème que vous avez devant, que vous voyez lorsque vous avez des gens qui découvrent SysML, c'est qu'ils sont face à une page blanche, avec un outil, avec une barre d'outils, avec des centaines de concepts. Et puis, allez-y Stéphane, faites-moi mon train d'atterrissage. J'ai 5 minutes. Et là, bon courage. C'est juste par où commencer, comment faire. Donc, ce qu'on pense, tel qu'on voit aujourd'hui le MBSE, c'est de rajouter... un aspect méthodologique très très fort. C'est-à-dire de pouvoir dire d'abord, conçois ton système sous forme d'une... où tu vas décrire ce que l'utilisateur attend de ton système, comment il va interagir avec lui, ce qu'on appelle la couche opérationnelle. Puis, design en mode boîte noire, puis en mode boîte blanche, puis les contraintes physiques. Et on va te guider dans chacune des étapes. On va reprendre les principes visuels de SysML, on va être capable d'interagir avec SysML en mode import-export, mais par contre, on va rajouter tout ce guidage à l'utilisateur dans son activité du quotidien. Ça a un impact très fort, ça. Ça permet de faire en sorte de démocratiser au sein des équipes. Anciennement, les gens qui utilisaient SysML, ils avaient une ou deux personnes qui avaient la casquette SysML au sein d'une équipe de 20-30 personnes. Et c'était eux qui, en salle de réunion ou autre, capturaient sous forme de diagramme le résultat de leur analyse. Là, maintenant, on essaie de faire en sorte que tous les ingénieurs, ce soit leur outil du quotidien, et soient autonomes pour le faire eux-mêmes. Et pour ça, il leur faut ce guidage. D'accord. C'est là, Étienne, où j'introduirai le système Modeling Workbench comme un outil justement pour guider l'ingénieur sur une méthodologie de génération de modèles de système. Donc du coup, il y en a plusieurs dans le marché, donc du coup, il y a une méthodologie qui est assez populaire, particulièrement en France, basée sur du Capella, donc c'est Arcadia, qui vient pas à pas guider l'ingénieur sur le développement de ce modèle. Donc du coup, la grosse différence aujourd'hui entre SysML, pour revenir à la question, et un environnement collaboratif, c'est simplement c'est ce guidage par rapport à la génération de modèles. D'accord. Oui. Alors, vous en parliez, merci David et Étienne, j'espère que ça répond à votre question. On parlait de contractuel tout à l'heure. Oui. Est-ce que, du coup, ça m'interroge, est-ce qu'il y a une opposition entre une approche contractuelle, vous disiez qu'il faut un peu des deux, mais est-ce qu'il y a une opposition entre une approche contractuelle et une approche modèle? Non, l'opposition, elle n'est pas là. C'est plutôt entre les spécifications textuelles qui sont aujourd'hui faites dans des outils, on va dire, d'édition de texte dédiés à des spécialistes de l'ingénierie système. Donc, on n'est pas dans du Google Doc, dans du Microsoft Teams, ou on est dans des outils structurés et structurants. Mais ensuite, ils sont complémentaires avec d'autres outils qui supportent le MBSE. Voilà. Donc aujourd'hui, en termes de technologie, on va dire, nous, ce qu'on porte chez Siemens et ce qu'on pense, c'est que déjà, la première étape, c'est d'arriver à casser les méthodes séquentielles pour arriver à faire du collaboratif. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'accepte le changement. Ça veut dire que mon projet, il a démarré et il y a des évolutions. Et il y a des anomalies dans mon produit, mais ça fait partie de la vie d'un produit. Donc, acceptons-les. On peut faire des jalons pour retrouver un petit peu un cycle de développement classique. Mais l'idée, c'est d'accepter au fil de l'eau les éléments du projet et le changement pour justement adresser ce besoin de rapidité que le produit bouge, tout en gardant le contrôle sur la qualité de la donnée. Donc aujourd'hui, pour supporter ça, on a donc le produit Polarion. Et ensuite, qu'on vient coupler au produit System Modeling Workbench pour ajouter la brique MBSE. Et comme ça, on a vraiment les deux technologies en synergie avec le socle qui fait toute l'orchestration des workflows et des process, et ensuite la technologie et les outils pour supporter le MBSE. Donc on a, on va dire, un socle technologique qui permet d'avoir cette capacité de co-construire qu'on fasse du modèle ou qu'on fasse des exigences pour avoir un référentiel unique, commun, partagé, transparent pour tous, comme je disais en intro. Et tu fais l'un après l'autre? Est-ce que tu fais d'abord toutes les exigences textuelles et après le modèle, ou est-ce que tu fais les deux en même temps? Comment tu vois ça? Alors,
Moi, je le vois assez simplement. Tout à l'heure, vous avez pris le cas d'utilisation d'un projet qui existait déjà. Et par où je commence ? On a aussi le projet qui démarre d'une feuille blanche. Donc, en fait, l'important, ce n'est pas par où je commence. Est-ce que je commence par les modèles ou est-ce que je commence par les écrits ? L'important, c'est d'avancer en parallèle à la machine pour qu'elle soit cohérente. L'important, c'est la cohérence. C'est ce qu'on appelle les baselines, les référentiels, pour faire en sorte que quand ma première version du train d'atterrissage y sort, qu'on sache exactement où c'est qu'on en est d'un point de vue spécification textuelle, qu'est-ce qu'il y a dans mon produit et qu'est-ce qu'il n'y a pas surtout. Pour qu'après, quand il y a des évolutions, des demandes d'évolution, OK, il n'y a pas ça, on va rajouter ça. Par contre, je maîtrise dans le temps ce que j'ai conçu. Donc ensuite, l'ordre, moi je vois beaucoup d'acteurs qui commencent par le MBSE quand il n'y a rien, quand il y a la feuille blanche, c'est vrai que la modélisation, ça le fait bien. Quoi qu'il en soit, il s'est toujours rattrapé par les exigences. Donc l'important, c'est d'avancer ensemble sur un référentiel unique, partagé et cohérent. En termes de lecture de tout ça, est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque, par exemple, en décomposant tout en sous-système, même partagé, hein, c'est-à-dire que moi, j'ai mon train, j'ai un câble aussi, visiblement, mais il y a un cockpit, il y a plein de choses à faire. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec une explosion de système de sous-système et un niveau de ramification qui échappe complètement Alors, c'est un très bon point, ça. Effectivement, il y a eu des approches à une époque où vous alliez avoir tout le monde qui va aller travailler sur le même modèle. On reprend l'exemple de l'avion. Imaginons que vous mettez des centaines d'ingénieurs à designer l'avion, le cockpit, enfin tout dedans, dans le même fichier concrètement. Donc clairement, ça ne marche pas. Ça ne passe pas à l'échelle. Vous avez des morceaux qui sont encore en brouillon, d'autres morceaux qui sont stables. Enfin, vous savez, c'est ingérable. Donc la façon dont on fait, dont on travaille, on va avoir des gens responsables de la globalité de l'avion dans un modèle, d'autres qui vont être responsables du cockpit et par exemple un autre qui va être responsable d'un bouton dans le cockpit. Chacun va avoir son propre modèle. Si l'équipe en charge du bouton dit « Ah, moi j'ai besoin de quelque chose de nouveau parce que j'ai besoin de me connecter avec un autre élément dont je ne suis pas responsable », ils vont en parler à l'équipe du dessus, qui est responsable de l'intégration globale. Et ainsi, on a un cycle de vie en parallèle. À tout niveau, on gère l'intégration et on arrive à passer aussi à l'échelle sur des industriels où il y a des centaines, voire des milliers d'utilisateurs en parallèle. D'accord. J'ai quelque chose à rajouter sur ce point. Je sais qu'il y a une question qui vient des internautes, mais Cyril, il a parlé de deux sujets. Donc, les exigences et le développement du modèle de système. Stéphane, tu as demandé un moment, est-ce qu'il y a un qui vient avant l'autre ou est-ce que les deux sont en parallèle ? C'est évident, pour moi, en tout cas, c'est évident que les deux viennent en parallèle. Aujourd'hui, nous avons énormément d'ingénieurs qui ne savent pas ou qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas rentrer dans le vif des certifications, de la documentation, des exigences, qui ne vont pas aller voir quelles sont les lignes d'un document qui représente le comportement d'un composant. Et donc, du coup, ils vont partir directement sur le modèle. D'autre part, on a les gens, les personnes, les ingénieurs qui s'occupent particulièrement des exigences, qui, c'est leur boulot. Donc, du coup, leur boulot, c'est prendre un document et donc, du coup, de venir identifier quelles sont les parties de cette exigence qui va impacter tel ou tel système. Et c'est à ce moment-là où le Model-Based System Engineering a tout son sens. C'est-à-dire que nous allons mettre déjà en connexion deux mondes qui étaient complètement déconnectés. Disons que il faut comprendre aujourd'hui nous mettons ces modèles de systèmes ou des systèmes modeleurs qu'on appelle dans le marché. Pourquoi on s'embêterait à mettre ce type de logiciel entre le domaine des exigences et le domaine de la performance des produits ? Donc du coup, la raison est, d'un côté, elle est simple, mais la mise en place est complexe, on va dire. Donc du coup, la raison, c'est justement c'est ce type de collaboration. Nous ne pouvons plus nous permettre de travailler de façon indépendante, parce que, comme Étienne disait, aujourd'hui, tu mets 100 ingénieurs à faire un avion, c'est une catastrophe, ça ne marche pas. D'accord, merci pour cette précision, David. Une question qui nous est posée sur la question cyber. Comment vous investissez le MBSE pour résoudre les problèmes cyber ? Bien, le côté cyber, le fait d'avoir un modèle structuré qui décrit non seulement le côté structurel, mais aussi le côté dynamique, c'est-à-dire telle étape, ensuite telle étape, ensuite telle étape, avec éventuellement plusieurs branches, on va permettre de décrire des scénarios, des flots de données, d'exécution qui vont pouvoir s'exécuter.
En faisant ça, on simplifie le fait de pouvoir faire ensuite des tests au moment de la vérification pour s'assurer qu'on a bien géré l'ensemble des cas d'usage du système. On peut aussi dire tel endroit de mon système doit être super sécurisé, à niveau 4, sur une échelle de 1 à 4, et tel autre endroit, il va être de niveau 1. Et on va s'assurer que aucun niveau 4 hyper sécurisé ne dépend d'un niveau moins sécurisé. Donc on peut comme ça faire des genres d'îlots ultra sécurisés, genre de la coquille dure de votre système qui ne doit surtout pas être piraté, sinon il y a la vie des gens qui sont en danger. Et puis des niveaux au-dessus qui sont moins sécurisés. Et dès le début, on s'assure par des outils de vérification des données structurées qu'on est vraiment cohérent et qu'il n'y a pas de risque. Bon, j'espère que ça répond à votre question. Troisième question qui nous est posée, pourquoi ne pas se donner les moyens de modéliser les exigences simulables ? Hein, alors ? Alors, je vais prendre la question. Donc, c'est vrai qu'il y a il y a une start-up à Grenoble qui a monté cette idée, ce concept. Donc, il y a des choses qui existent. Le frein, il est souvent plus ou moins le même. Hein. C'est finalement quel est mon niveau de maturité dans l'ingénierie. Qu'est-ce qu'il me faut comme niveau de maturité pour arriver à faire ce concept et à créer ce concept et pour le passer à l'échelle. C'est-à-dire si, tout à l'heure, tu as parlé de 3 versus 30 personnes, les 3 gardiens du temple SysML avec les 30 personnes embarquées, dès que je vais amener une nouvelle approche, je n'ai pas forcément le référentiel culturel, le bagage technique pour l'amener. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est sur déjà bien rédiger les exigences. Donc tout à l'heure, David a parlé de l'INCOSI, donc il y a des formats, l'IREB, il y a des formats de bonnes pratiques de rédaction d'exigences. Donc déjà là, c'est très difficile d'y rentrer pour bien structurer, bien rédiger une exigence, on va dire c'est tout un art. Sur la modélisation, c'est un petit peu pareil, il y a des frameworks méthodologiques, mais il faut son permis de conduire. Et donc là, quand on commence à dire on va modéliser une exigence et on va essayer de l'exprimer différemment, encore un cran au-dessus, la difficulté, c'est ce passage à l'échelle. C'est que même si on arrive à avoir 2, 3, 4 ingénieurs qui arrivent à se comprendre entre eux, dès qu'on va envoyer ça à plus grande échelle ou vouloir co-construire dans un système complexe, il y a toujours le patrimoine historique qui va être un premier frein. Comment on fait ? On vient d'inventer une nouvelle façon de rédiger, mais on a déjà 40 ans de fabrication, de conception d'un avion avec ces méthodologies-là. Donc combien ça vient s'intégrer ? Et on ne fait pas un nouvel avion tous les jours. Donc c'est toujours ça, le patrimoine, comment ça vient s'intégrer, puis l'aspect humain, quand on sort de l'école, on sort peut-être avec un bagage d'ingénierie système théorique, qu'il est ce qu'il est et qui a le mérite d'exister, et ensuite il y a ce qu'on apprend sur le terrain, et finalement ce qu'on apprend sur le terrain, c'est la vie des industries, et c'est son patrimoine, et c'est cette transmission, l'entreprise apprenante. Et du coup, quand on arrive avec un nouveau modèle, à moins d'être dans une start-up ou des choses comme ça, en mouvement, sans ces freins d'échelle, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué, en tout cas, à mener dans l'industrie aujourd'hui, c'est compliqué. Sur le côté simulation, rapidement, système, c'est une question ultra pertinente parce qu'aujourd'hui, l'état de l'art actuel est effectivement peu couplé. Il y a une vraie attente là-dessus et on reste sur des outils qui sont en train de se fabriquer derrière. Ce qui est en train de se décider aujourd'hui, c'est qu'il y a deux types de simulations à coupler avec le MBSE. Il y en a une première qu'on appelle le early simulation, c'est-à-dire très tôt, lorsqu'on ne sait pas encore physiquement si on va partir sur de l'informatique ou un câble ou un pneumatique ou je ne sais quoi, on veut déjà vérifier que notre spécification, notre modèle système, il est cohérent. Et donc là, on va vouloir faire de la validation très très amont. Puis, il y a un deuxième type de simulation qui est de prendre le modèle système et le projeter vers des outils de simulation existants qui sont là, dans ce cadre-là, très très détaillés. Et on n'a juste pas envie de ressaisir nos boîtes, ressaisir nos liens, ressaisir les caractéristiques. On en a déjà une partie dans le modèle système. On a envie que ça transite. Et donc là, l'industrie est en train aujourd'hui de fabriquer des couplages pour coupler des modèles existants ou rajouter des modèles de simulation en amont. D'accord. Et je veux rajouter quelque chose à ce que Étienne dit, parce qu'il y a ce concept de simulation. Donc, du coup, tu parlais, Étienne, de la simulation système et de la simulation un peu plus détaillée. Le monde de la simulation système est en train de connaître un essor formidable en ce moment. Donc, du coup, on le voit par plusieurs produits dans le marché. Mais surtout, la simulation système donne un degré d'abstraction qui a quand même beaucoup de similitudes avec ce qu'on peut obtenir des modèles système. Donc, on a d'un côté le modèle système qui appartient au monde du systems engineering et de l'autre côté la simulation système qui peu à peu est en train d'intégrer ce monde et donc du coup qui donne l'ouverture à tout ce qui sont les outils de simulation numérique classiques.
On a pris beaucoup de retard, hein. On s'en excuse, mais on est quand même un peu en train de révolutionner l'industrie. Donc, voilà, en tout cas, le webinaire sera disponible en replay pour ceux qui seront obligés de nous quitter. On attaque tout de suite cette quatrième partie sur les moyens techniques qui existent. Voilà, alors on parle, là, je pense qu'on a à peu près bien saisi. On n'a plus besoin d'un dessin maintenant pour comprendre ce que c'est que le MBSE. Techniquement, par quoi ça se traduit tout ça? Vous avez commencé un peu à l'évoquer tout à l'heure, Cyril, mais voilà, de façon un peu plus précise. C'est ça, ce que je disais tout à l'heure. Donc, techniquement, en fait, ce qu'il faut, c'est commencer à accepter le changement. Pour accepter le changement, les outils traditionnels en silo qui cloisonnent l'information, déjà, ça ne marche plus. Il faut le faire sauter. Donc, la première étape, c'est de mettre en place une plateforme, un orchestrateur des workflows et des processus, pour guider justement les utilisateurs dans le communiquer ensemble et le travailler ensemble. Pour ça, aujourd'hui, la technologie Siemens s'appelle Polarion ALM, qu'on vient coupler avec System Modeling Workbench, qui est justement la technologie qui supporte le MBSE, dont parlait David tout à l'heure. Étienne, David. Pardon, et donc du coup, System Modeling Workbench, donc, ça naît d'une collaboration entre Siemens et OVO. Donc du coup, c'est pour ça qu'on est tous ici. Bon, mais ça vient aussi d'une certaine expérience sur le champ. Donc, du coup, on récupère l'expérience qui a été développée par des industriels, par des méthodologies. Donc, du coup, il y a eu cette interface Capella basée sur de la méthodologie Arcadia, donc qui a été en quelque sorte industrialisée dans l'environnement System Modeling Workbench. Qui a l'origine, qui vient d'un grand groupe Thales, qui a fabriqué. Il faut le mentionner quand même. Ouais, et donc on a, donc là on a parlé de Polarion, de System Modeling Workbench, et en fait entre les deux, on a fabriqué la GLU qui manquait, qui est un outil qui s'appelle Publication for Capella, et qui permet, de manière très simple, vous êtes dans votre ALM en train de gérer vos exigences, vos tickets, etc. Et vous pouvez dire, je le relie à un élément précis de mon modèle de système, ou à un diagramme pour aider à communiquer. Et une fois que vous avez ça, vous avez du coup une traçabilité, ce qui veut dire que si vous changez vos exigences, vous savez exactement qui a impacté. Vous pouvez aussi revenir voir votre client en disant, oui, j'ai couvert l'ensemble de tes exigences, et j'y ai répondu de telle façon. En plus, on peut également, lorsqu'on envoie le résultat à d'autres équipes, parce qu'elles sont dans d'autres entreprises ou parce qu'elles ont besoin de faire du design détaillé, en un clic, elles peuvent accéder visuellement, depuis leur page web, aux détails du modèle système. Et anciennement, lorsqu'il y avait besoin de partager ce genre de choses, pour fluidifier la collaboration, qui est la thématique aujourd'hui, il fallait installer un logiciel, l'ouvrir, récupérer le modèle, aller au bon endroit, bon, ça vous prenait un peu de temps, quoi. Là, maintenant, on a des techniques où, en un seul clic, vous avez accès à l'information et ça permet de démocratiser encore plus l'usage. Et de répondre à l'entreprise étendue, donc, qui est le nouvel enjeu aussi. Oui. Hein, tout à l'heure, on parlait de partenaires, de fournisseurs. Oui. Aujourd'hui, il faut qu'ils travaillent ensemble, co-engineering ensemble. Et donc, en fait, les solutions d'OBO sont full web, puisque là, on parle justement de technologie web. Polarion aussi. Donc, en termes de déploiement, c'est très facile, c'est rapide. Et en termes de prise en main, la nouvelle génération d'ingénieurs est complètement à l'aise avec ces nouvelles technos. Là où d'autres technos, client-serveur des années 80, le sablier, ça repousse complètement. Voilà. D'ailleurs, je pense qu'on en a un ou une qui nous pose une question bien précise. Est-ce que dans Capella, on peut importer des modèles 6ML, pardon, faits dans d'autres modelers type Papyrus ou Rhapsody? Alors, oui, dans Capella, non, c'est une des spécialisations, une fonction payante de System Modeling Workbench, dans laquelle vous avez un import-export en 6ML1, qui est le standard actuellement le plus connu. Et en ce moment même, je pense qu'on peut presque le révéler aujourd'hui, il y a System Modeling Workbench, une nouvelle version qui va sortir là. Presque cette semaine, supporte la nouvelle norme SysML V2 pour également exposer ces données dans un format du coup, qui devrait devenir un format d'interopérabilité reconnu sur le marché. En avant-première, donc, cette information. Je suis obligé de vous poser la question, Cyril. Posez-la-moi. Le côté collaboratif, oui. Comment est-ce qu'il vient, comment est-ce qu'il prend place dans tout ça, forme plutôt, je dirais même. C'est plutôt un socle, c'est l'orchestrateur, c'est le chef d'orchestre.
Voilà. C'est-à-dire que j'ai une exigence à en décliner en modèle. Bien, en fait, je vais lancer un workflow, ce qu'on appelle. C'est-à-dire je vais lancer, par exemple, une demande d'implémentation, une demande de conception, une demande d'architecture. Et en fait, indirectement, il ne va plus y avoir de mail. Je ne vais pas forcément avoir besoin de mettre une réunion spécifique dédiée. Donc, tout est orchestré dans une plateforme web. Et on travaille en mode collaboratif dans un environnement complètement facile. Pour les spécifications, complètement Word-like, en fait. Allez, cette plateforme apporte un nom Polarion LM, toujours. D'accord. Polarion LM, donc c'est vraiment le socle, l'orchestrateur, c'est lui qui va vous aider à avoir cette idée de référentiel unique et qui va être un petit peu l'endroit où il faut aller quand je ne sais pas quelle spécification fait foi. Ben, en fait, je vais dans Polarion LM, je n'ai pas à aller chercher dans un système de fichiers ou dans un outil dédié hyper métier qui est perdu au fin fond d'une arborescence. Donc je vais dans Polarion, je l'ouvre, dans mon browser, j'ai mon petit raccourci dans mes favoris et j'arrive directement sur l'information, donc l'accès à l'information. Alors moi j'avais entendu parler de Team for Capella qui est donc du coup. Hein, Team for Capella, c'est un produit développé effectivement par Étienne qui répond complètement à ses petits bras, qui répond complètement à la collaboration sur l'entité équipe. Merci pour la perche, effectivement. Oui, donc effectivement, dans Polarion, vous allez diffuser l'ensemble des informations que vous voulez exposer aux autres équipes, donc les données validées. Et par contre, au sein même de l'équipe d'ingénierie système, vous avez besoin de quelque chose de très souple pour vraiment faire de la collaboration instantanée. C'est simple, on est à peu près tout le monde à utiliser un Google Docs ou un Word en ligne. Vous êtes à plusieurs en même temps, vous voyez les modifications des autres personnes et vous ne vous posez pas de question d'envoyer des fichiers à gauche à droite. Aujourd'hui, l'état de l'art le plus courant qu'on trouve dans les outils d'ingénierie, ce n'est pas ça. C'est vraiment, vous avez votre fichier, vous devez vous l'envoyer, savoir qui travaille avec quoi, après gérer des fusions, enfin, bref, c'est compliqué. Ouais, ouais. Donc là, on a rajouté un add-on à Capella qui permet d'avoir cette expérience de collaboration instantanée où on voit les modifications des autres en direct. Donc ça, c'est réservé au sein de l'équipe. Et une fois que vous avez terminé, vous le poussez, vous le mettez en visibilité dans Polarion ou dans les outils. On est un peu dans le principe du jumeau numérique où on a absolument un modèle qui est au milieu, tout le monde est connecté dessus. C'est digital, un peu ça. Le fameux digital twin, il a tout son sens. Parce que d'un côté, comme Cyril l'expliquait, donc, du coup, on a la gestion d'exigence sous Polarion. D'autre côté, on a le développement du système modèle sous Capella, système modèle Workbench pour te donner le guidage sur le développement du produit, du système. D'un autre côté, nous avons Team for Capella qui va pouvoir, en quelque sorte, exploser les différentes parties du système modèle de telle façon que chaque ingénieur puisse travailler de façon indépendante tout en restant dans une plateforme unie, homogène. Et après, nous avons Publication for Capella qui va faire l'interaction entre la gestion d'exigence et le modèle de système. Bon, je vois qu'il y a encore des internautes avec nous puisqu'on nous pose une nouvelle question. Est-ce possible de réaliser l'analyse fonctionnelle sur Cameo de la même façon qu'on le fait sur Capella, c'est-à-dire des fonctions dans des composants? Ah ben aujourd'hui, Cameo, à moins que je sois mal informé, n'a pas une méthodologie intégrée à Arcadia. Donc, non, et puis même le concept de fonction n'existe même pas. Non, et typiquement, on est sur du SysML dans Cameo. Et lorsque vous voulez décrire une fonction, qui semble le truc assez habituel quand on fait de l'ingénierie système, vous devez choisir si c'est une activité, si c'est une classe, enfin bon, à vous de créer votre méthodologie. Et c'est là où c'est compliqué. Et c'est là où, normalement, il y avait via SysML V1, on avait soi-disant une interopérabilité. Le problème, c'est que chaque industriel, du coup, a choisi sa propre méthodologie et entre eux, bah, c'est forcément compliqué. Donc en fait, il y a la technologie, c'est une chose la technologie, mais après il y a le modèle de données, il y a ce qu'on en fait, il y a l'aspect métier. Et c'est vrai qu'avec Siemens, comme on est avant tout un industriel, en fait on a à chaque fois cette couche métier qui est intégrée dans la technologie. Donc quand on prend une techno Siemens, on va dire on prend une autoroute des méthodes, des process qui sont déjà pré-câblés, prédéfinis par l'histoire justement des clients, de l'écosystème Sysmé, par l'histoire. Donc on ne vient pas avec une coquille vide et une technologie. Donc il y a toujours la technologie, qu'est-ce que j'en fais? Et pour gagner du temps, effectivement, pour aller plus vite, c'est vrai que les technologies avec des modèles intégrés, on va plus vite, on gagne du temps, et comme on l'a dit, le temps aujourd'hui. Le temps, puisqu'on en parle justement, qu'on a bien dépassé. Je vais vous passer la parole assez rapidement à chacun. Bon, on voit l'enjeu, hein, oui. pour changer un petit peu la façon de travailler dans l'industrie, en tout cas quelle qu'elle soit, hein, pour avancer et répondre à ce marché en évolution permanente. On comprend cette approche, on voit en tout cas son intérêt, son importance.
Qu'est-ce qu'il faut quand même aussi garder dans le viseur si, voilà, par rapport à ce qui va arriver demain, Cyril, en quelques mots? Oui, alors en quelques mots, aujourd'hui, donc avec la techno Polarion, avec toutes ces technologies dont on a parlé, on gère la donnée. On gère la donnée, on gère la data. Avec l'aspect système Audio Workbench, on gère l'aspect graphique, la complexité d'un système. Donc je sais ramener quelque chose de complexe en éléments simples et je sais gérer la donnée. Maintenant, un des enjeux, c'est qu'est-ce qu'on apporte au métier et quelle est la valeur de cette donnée. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, c'est plutôt l'intelligence artificielle qu'on va mettre derrière pour être en capacité de relire automatiquement les exigences, pour être en capacité de garder toute cette entreprise apprenante, de garder justement les bonnes modes de rédaction d'exigences et pareil sur les modèles. Voilà. Donc aujourd'hui, sur la techno d'intelligence artificielle embarquée dans Polarion et dans l'écosystème Siemens, aujourd'hui, on a deux solutions. On a une solution française qui est complètement intégrée à Polarion et on a une solution espagnole qui est connectée, donc pas intégré, mais qui est connecté et qui permet de répondre aussi à la relecture automatique des modèles, qui répond aussi à la modélisation. Donc on s'est déjà armé pour se préparer pour demain, être encore plus pertinent avec, au-delà de l'IT, vraiment la donnée et la valeur métier. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, cette intelligence, elle pourra fonctionner qu'à partir du moment où elle aura de la donnée. Donc il faut commencer par l'étape 1, des silos, on génère de la donnée, après on l'analyse. Je suis content déjà qu'il y ait quelque chose d'espagnol dans tout ça. mais bon, pour l'intelligence artificielle, bien sûr, donc, elle a besoin d'être alimentée de données, sinon elle n'a aucun sens. Quand on parle de machine learning, faire tourner un algorithme de machine learning avec trois données, autant ne pas le faire tourner. Il faut des centaines, voire des milliers de données afin d'avoir quelque chose de prédictif. Après, il faut dire aussi que le MBSE, nous avons encore des challenges. Donc, on n'en a pas fini. Donc, du coup, nous avons ce challenge d'avoir une infrastructure IT qui puisse supporter toutes ces méthodes, tous ces logiciels, quand même, parce qu'on parle quand même d'une certaine hétérogénéité du nombre de logiciels que nous voulons récupérer parce que les ingénieurs, ils ont développé leur savoir-faire dans ces logiciels, donc on ne peut pas les laisser de côté, mais en même temps, on veut les faire travailler ensemble. Donc du coup, il y a ce challenge de pouvoir avoir des outils web-based ou cloud-based, de telle façon que tous les ingénieurs au sein d'une même organisation puissent accéder de façon très naturelle et très pratique. Ça, d'un côté, nous avons aussi plusieurs champs d'investigation en ce moment. Donc, du coup, il y en a un autre qui est ce qu'on appelle le Generative Engineering. Donc, du coup, ce qui est la génération automatique de centaines, voire de milliers d'architectures produits au niveau conceptuel, de façon à pouvoir innover, à ne rien laisser de côté dans le développement d'un produit avec des spécifications très particulières. Donc du coup, il y a le côté machine learning, il y a l'intelligence artificielle, il y a le côté generative engineering, il y a le web-based. Donc c'est un champ, c'est le MBSE est un challenge en soi aussi. Hein. Donc il ne faut pas l'oublier. On ne l'oublie pas. Merci David. Étienne, je vous confie le train d'atterrissage. Je vais vous faire atterrir. Moi, je avec le mot de la fin. Moi, je vois deux grands challenges pour le futur. La démocratisation et l'intégration. Alors, démocratisation, c'est de faire en sorte que toute cette approche-là ne soit pas réservée qu'à des experts. On commence à être pas mal. On arrive à suivre le nombre d'organisations dans le monde qui ont adopté Capella. Et aujourd'hui, on a dépassé les 600. Donc on n'est plus sur un petit truc de niche quand même. On est quelque chose de vraiment très large. Et c'est de faire en sorte que ce ne soit pas juste quelques personnes, mais de faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent l'avoir. Donc ça veut dire des outils ergonomiques et des outils simples à comprendre. Le deuxième point, c'est l'intégration. C'est de faire en sorte que le MBSE ne soit pas juste dans son coin. Et qui puisse être connecté avec les autres outils et les autres ingénieries. Je voudrais conclure avec ce mot qu'on n'a pas encore cité jusqu'à maintenant, c'est le mot « digital thread ». On a parlé du « digital twin », qui est le côté simulation et système réel côte à côte. Et le « digital thread », c'est de faire en sorte d'avoir une continuité numérique depuis les spécifications, donc le modèle fait en système là, d'architecture, jusqu'aux différents détails en électronique, mécanique et autres, et de permettre de faire en sorte d'avoir des allers-retours facilement entre tous ces mondes-là pour pouvoir maîtriser des impacts plus facilement. Ça, il va peut-être falloir 20 ans ou au moins 10 ans pour que ça tourne entièrement sur l'ensemble des corps de métier des industriels, et c'est quelque chose d'extrêmement important.
Il y a quelque chose qu'on fait avec Siemens, d'ailleurs dans le cadre du produit System Modeling Workbench, qui aide à ça, c'est la passerelle avec le PLM, donc Team Center, qui permet d'aller vraiment d'avoir une vue d'ensemble depuis la création jusqu'à la maintenance du cycle de vie du produit. On sera plus rapide, Étienne. 20 ans, on le fait en 5. Bon, eh ben, écoutez, il n'y a plus qu'à. Merci. Merci en tout cas beaucoup pour vos éclairages à tous les trois. J'espère que ça a été une riche expérience pour vous. Vous avez appris beaucoup de choses. Merci de nous avoir suivis. Encore toutes nos excuses pour ce retard. Et je vous rappelle, donc, comme je le disais tout à l'heure, que ce webinaire sera disponible d'ici quelques jours sur le site de Siemens Digital Industry Software. Et nous vous souhaitons tous une très bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Merci.